Christopher Froome attaque. Attaque de Froome. Attaque de Froome. Réponse d'Alexis Villalobos. Joaquim Rodriguez. Peter Sagan. Nouvelle attaque de Froome ici. À 1 km de l'arrivée à Froome de Bretagne. Et du coup, le compte d'Alexis Villalobos. Et c'est bien, faut y aller là. Alexis Villalobos qui est bien parti. Regardez le peloton et attaque de Villalobos. De l'arrivée ici sur le plateau de maison. Jacob Fulsang qui va décrocher sa deuxième victoire d'étape en cette période de Dauphiné après s'être imposé à la mode Servolex. Jacob Fulsang vainqueur au plateau de Solaison. C'est fait dans quelques instants. La victoire du coureur danois de l'équipe Astana qui va peut-être renverser le critérium de Dauphiné aujourd'hui. Victoire de Fulsang, 10 secondes de bolif. Richie Portard, 1-06 pour en terminer. Allez, victoire de Richie Porte. Avant, 2 kilomètres au moins. Attention,
avec une solo tour effectivement. Une fracture de la clavicule. Aïe aïe aïe. Pour le coureur. Angelo Tulik qui est à terre, mais ça va pour le coureur de l'équipe Direct Énergie. Et là, malheureusement. Ouais. Et c'est Robert Rezink également qui est tombé. Deuxième de l'étape d'hier. Et là, image terrible avec les hurlements de douleur du coureur de la formation des Émirats Arabes Unis. Oui, un gros problème au niveau du bras droit, de l'épaule. C'est évidemment, pas des images qu'on va voir. Évidemment, il ne peut pas bouger.